Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Frag. Et aujourd'hui la vidéo va se porter sur comment bien commencer sur Frag. Alors je vais être en compagnie de Mick qui est plus ou moins dans le top France, hein, on va pas se le cacher, c'est un peu un pro player français, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui il va m'assister pour que j'évite de dire des conneries, tu vois. Donc lui il va être là pour dire son avis, comment bien commencer, différentes stratégies et puis voilà. Donc on va voir comment ça se déroule et puis je vais le retrouver tout de suite en vocal. Ah, donc c'est bon, l'enregistrement il a commencé, j'ai eu le temps de faire mon intro. Du coup, je vais essayer de présenter. Mon pseudo c'est Mick. Je joue à Frag depuis, j'irais environ 3 mois. Donc à l'époque, le jeu était encore en bêta. Et vu que je l'ai plutôt bien aimé, j'ai commencé à m'y mettre plutôt pas mal, puis à être assez actif sur le Discord général de Frag. Et donc ouais, j'ai réussi à monter un peu dans les places et puis maintenant je peux aider ceux qui arrivent avec le lancement de la sortie générale. Tu es assez bon, tu es 48ème. Voilà. 48ème. C'est ça, et 5ème France. Donc aujourd'hui ouais, j'avais besoin de toi pour un peu expliquer comment commencer et qu'est-ce qu'on pourrait éviter de faire. Si aujourd'hui toi tu devrais recommencer le jeu, tu devrais commencer comment? Alors donc là si je dois recommencer, donc bah déjà je sais quelles sont les cartes actuellement qui sont très utiles, celles qui sont plutôt utiles et celles qui servent totalement à rien. Donc clairement il y a des cartes que j'augmenterai quasiment pas. Après il y a un truc qui est important à prendre en compte aussi, c'est que l'argent dans le jeu il est assez rare et il arrive un moment, je sais pas si vous en avez déjà eu, mais dans les missions il y a augmenté deux de vos personnages. Donc il faut pouvoir au moment où cette mission arrive avoir suffisamment d'argent en réserve pour continuer à augmenter ses personnages. Sachant que, donc si je dis pas de conneries, les augmentations ça fait 100, 1000, 2000, 4000, 8000, et après on est à 20 000, 50 000, 100 000. Donc au début ça va, c'est facile à faire les premiers niveaux. Quand les personnages commencent à être assez haut level, réussir à économiser 50 000 en free player, je parle, sans payer, ça devient costaud. Donc pas forcément augmenter les personnages trop vite, prendre le temps de tester un peu, de trouver son style de jeu, de trouver les personnages qui marchent bien, et puis ouais, commencer par augmenter ceux qui fonctionnent bien. Et aujourd'hui, par exemple, quelle carte tu penses que c'est une carte qu'il faudrait garder jusqu'au bout? Parce que je sais qu'on est pas mal à avoir Jet, on est pas mal à avoir Pokka, on est pas mal à avoir Dr. Frost aussi. Ouais, bah voilà, t'as dit des cartes, bon après, je vais... j'ai pas envie de trop le dire, parce que bon, sinon mes adversaires dans le tournoi, ils vont regarder la vidéo. Ouais. Bon, de toute façon, ils doivent pas comprendre le français, ce que je vais affronter pour l'instant, donc c'est bon. Non mais ouais, en fait, ça dépend énormément, parce que justement, pour éviter que tout le monde joue toujours les mêmes cartes, de temps en temps, ils s'amusent à baisser les stats de la carte la plus puissante. Donc c'est sûr que ouais, là pour l'instant, bah c'est moi je joue ce que t'as cité, hein, Poké Hunter, qui est excellente en défense, qui a une portée de dingue, et surtout qui peut se déplacer à une super vitesse, même en tirant, elle est hyper efficace. Jet, avec ses capacités d'esquive, elle est aussi géniale, c'est dur de la tuer, elle peut faire très très mal au bunker. Frost, ouais, je trouve que c'est aussi un excellent défenseur avec un très bon ulti. J'utilise aussi pas mal Lucha Muerta, qui c'est quand même un bon gros sac à PV, qui fait beaucoup de dégâts au bunker, qui a un bon ulti qui lui permet de se déplacer un peu plus vite tout en faisant des dégâts aux autres. Donc c'est les premières cartes que j'utilise. Pour donner un exemple sur son nerf les persos, donc dont sont baissés leurs stats en fait, il y a à peu près une semaine ou deux avant la sortie globale, l'un des meilleurs persos avec Poké Hunter, c'était Desperados. Il est toujours aussi cheaté lui, hein. Ouais, il est assez stylé, mais donc il tire avec deux pistolets mitrailleurs et son ulti c'est un lasso qui étourdit l'adversaire pendant, maintenant c'est une seconde et demie. Et avant, il étourdissait pendant 3 voire 4 secondes, je sais plus exactement. Et en gros, il arrivait à choper quelqu'un depuis quasiment la moitié de la map. Je sais plus combien faisait la longueur du lasso, mais c'était énorme. Il arrivait devant lui et puis il pouvait lui vider sa barre de vie d'un coup. Maintenant, il faut bien calculer le moment.
Donc c'est devenu, c'est toujours un bon personnage, mais il est plus aussi craqué qu'avant. Et toujours en restant dans le deck, en fait, est-ce que pour toi c'est vraiment utile de faire 2, 1 ou 3 decks, enfin 2 ou 3 decks, ou d'en faire qu'un seul et de se concentrer sur un seul et essayer de modifier selon le mode de jeu? Alors moi ce que j'ai fait au début, et puis ce que j'ai envie de conseiller, c'est d'avoir un deck qui tourne bien, avec lequel vous êtes à l'aise, vous arrivez à faire à enchaîner les victoires, et puis à côté avoir un voire deux decks test enfin. Et j'avais une autre question en rapport avec le deck, la rareté de la carte, ça fait la carte ou pas du tout? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non, il y en a qui disent ça dépend. Mais est-ce qu'aujourd'hui la rareté de la carte peut faire la puissance de la carte? Alors moi j'ai envie de dire pas du tout, parce que il y a des cartes communes qui sont excellentes comme Pokehunter, pour l'instant c'est l'une des cartes les plus puissantes alors qu'elle est commune. À l'inverse, on a parlé tout à l'heure de Baron Voodoo, mais que la plupart des gens trouvent moyen et qui est très peu utilisé alors que c'est une carte légendaire. Donc ouais, en fait non, la rareté, à part que quand tu reçois ta carte, elle a un plus ou moins haut niveau. Savoir que quand tu reçois ta carte épique, elle est déjà niveau 6. Donc tu peux tout de suite l'utiliser, t'as moins longtemps pour la faire monter. Mais sinon, non, tu trouves des cartes excellentes en commune, des cartes nulles en commune aussi, et des cartes relativement bonnes en épique ou légendaire, et des très mauvaises aussi. Ok, du coup, alors ouais. pour résumer un peu aux gens, si aujourd'hui vous avez un deck avec lequel ça se passe plutôt bien. Se rappeler que dans Frag, t'as la tour qui est donc le dernier objectif, il y a les deux bunkers qui défendent la tour, et pour accéder à l'adversaire, il y a deux ponts de chaque côté de la map et un au milieu. Et donc les cartes camp sont censées défendre la tour. Donc quand c'est l'IA qui les joue, sont censées défendre la tour. Les cartes défense sont censées défendre les bunkers, centre les ponts, attaque attaquer et les derniers. Je sais plus comment on dit en français. Moi c'est wild parce que j'ai le jeu en anglais pour l'instant. Les mobiles. Voilà, mobiles. Donc ouais, les mobiles sont tout terrain. Donc savoir que quand vous allez donner l'ordre d'attaquer, il va y avoir vos cartes attaque, mobile et centre qui vont attaquer les bunkers adverses. Quand vous donnez l'ordre de défendre, il va y avoir les camps, les défenses, les mobiles et les centres qui vont défendre. Donc ça fait aussi partie de la stratégie quand on construit son deck. Et donc ouais, pour commencer, moi je conseillerais de tester quand même un peu un deck avec un peu les différentes classes, d'avoir un peu attaque, défense, centre, histoire de tester, voir comment sont les réactions. Et en fonction de ce que vous aimez, vous pouvez soit lancer tout de suite tout le monde à l'attaque et être là en couverture avec un centre pour éliminer les défenseurs adverses, ou alors lancer tout le monde à l'attaque et rester en défense pour justement abattre les attaquants adverses qui arrivent, ou alors vous lancer à l'attaque et envoyer vos unités défendre les bunkers. En fait, ça va vraiment dépendre de comment vous aimez jouer. Est-ce que vous avez envie de rush les bunkers, ou alors de détruire les persos adverses. Ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. Et au final, vous allez construire votre deck comme ça. Ok, donc ça par rapport au deck, j'espère que vous avez plus ou moins compris comment ça pourrait fonctionner, votre stratégie.